Peuple congolais, bonjour, bonsoir, partout, Oepa Ebino Bozali. Nelo, Nayepona, Tosolola, Lisolo ya Lamuka. Lamuka est la qui plateforme électorale, et Salamaka na Genève, Baponaka, Failou comme candidat commun na bango. Et Pesaki Mbeba, Oyo, Félix Tshisekedi na Kamere ba retiraka ba signature na bango. Tomoni Failou a mené opération ya Lamuka ti a lité contre machine à voter. Abengi yango machine à voler. PPRD batumbi entrepôt ya soi-disant machine. Batumbi ba carton na kati. Balobi Failou na batunaye mutu batumbi yango. Failou abangi. Azongi sima. Angimi machine à voter. Na campagne ya Failou, totikale komona mbembate. La campagne à Failou, tout ce que l'on a katumbité. La campagne à Failou, tout moni Pierre Lumbité. La campagne à Failou, tout moni Kaka Failou, la pembe nae, moutoutoua komona Mouzitu. Failou a échoué na élection présidentielle. A kei na cour constitutionnelle. Na cour constitutionnelle, Failou a poli sous na cour constitutionnelle. Failou a komi ko tambo la suko na bamboka nyo surtout na Kinshasa, Congo Mobimba, pona kubundela victoire na ye a lobi vérité des urnes. A tourné Congo Mobimba pour la vérité des urnes. Failou a sali plein et pas yons tout à Zalagi Kokende. Na moya lelo na kati ya Congo. Congolais yons tout a ebi Failou. Pour la Lamuka, Congolais yons tout a ebi leader ya Lamuka et ali Failou. Bandoko nangai, to yebaki yango bien que Failou a okene mosika te bako kata ye mapeka na Mbemba. Katumbi prenza presque te. Mbemba. Po mutu oyo ya très dangereux azali na kati ya Lamuka ezali Mbemba. E Lamuka eko panzana. Na yango Lamuka banda jeudi 21 mars ti na samedi 23 mars basangana ki pona ko poursuivre ba discussion sur l'avenir ya Lamuka. Yango nazali ko tuna sikoyo ba Congolais na diaspora oyo bayamba ki Failou oyo basala ki spectacle na Failou. Na moya lelo yo, vie politique ya Failou na kati ya Lamuka, ezali en danger. Comment sauver les soldats Failou? Lamuka n'est toujours pas une plateforme politique. Les décisions, les discussions vont se poursuivre. Tous les leaders de Lamuka s'étaient réunis encore ce samedi à Bruxelles. Au terme des discussions entamées depuis jeudi 21 mars, les six leaders ont décidé de poursuivre les discussions sur l'avenir de Lamuka, appelée à devenir une plateforme politique. Moya lelo sugo na kati ya Congo, à partir du moment oyo misaki politique ya seuil politique, seuil de représentativité, petit parti politique vina bango ezali
Mukuse, oyo akokisa ki seyite, akozala elimine. Inayango na kati ya Congo na moya lelo yo, tozali na 3 plateformes électorales oyo a venir nango ekokoma ba plateforme politique. Tozali na FCC, tozali na CRASH et tozali na Lamuka. Et lelo Lamuka alingi akomisa plateforme Lamuka, plateforme électorale, na plateforme politique. Tolanda. Il décide d'étudier, de transformer la coalition Lamuka à une plateforme politique et d'en définir les modalités d'organisation et de fonctionnement. Dit le communiqué final qui ajoute que ces leaders confirment leur détermination à poursuivre ensemble le combat pour défendre le respect des pratiques démocratiques. Il note que le trucage des résultats des élections ordonnées par M. Kabila aggrave la crise de légitimité des institutions ainsi que celle de leurs animateurs. Moïse Katumbi avait rejoint Boussa Nyamwisi, Martin Fayulu, Adolphe Muzitu, Freddy Matungulu et Jean-Pierre Mbemba. Depuis jeudi, ces leaders et leurs experts ont analysé le processus électoral, les jeux et les enjeux actuels de la scène politique congolaise. C'est l'ONG sud-africain In Transformation Initiative, ITI, qui a facilité les travaux de Bruxelles. Cette organisation est dirigée par d'anciens négociateurs de la fin de l'apartheid. C'est elle qui avait réuni à Johannesburg en octobre 2018 les opposants congolais qui étaient à la recherche d'un candidat commun. Et bango pe lisusu batubaye ko kotsa mobulu ya vote na Genève. Yango Fayulu Abimaka, candidat commun. Peuple congolais, soki totali penzai bien. Balingi ba transformer Lamuka na plateforme politique. Ezali mabete. Mais jusqu'à présent, leader oyo toyebi ya Lamuka ezali Fayulu. Est-ce que Fayulu mutu akozala en tête ya plateforme wana to nani oyo akozala autorité morale ya plateforme wana comme Kabila azali autorité morale ya FCC alors na Lamuka nani oyo akozala autorité morale. Est-ce que Mbemba akolinga a cédé responsabilité ya autorité morale na Fayulu to na Katumbi po eza komonana ke ye azo ya na force ou li aya na souplesse azo ya na force. Est-ce que Katou Kabe Fayulu a venir na esikoyo ezali nini e bino ba peuple oyo ou soutena ki Fayulu boza komona yango te ke Fayulu baza ko eliminer ye bolobi nini po tangu bango ba lobi yango bien. Définir les modalités d'organisation et de fonctionnement. Peuple congolais, organisation politique est une organisation qui participe à la vie politique en cherchant à exercer le pouvoir politique ou à influencer. Les organisations politiques comprennent le parti politique qui cherche à exercer le pouvoir et le groupe d'intérêt qui cherche à l'influencer. Qu'est-ce qui caractérise une organisation? Ressources.
Les ressources sont le moyen dont dispose l'organisation pour réaliser sa finalité. Les ressources humaines sont constituées des individus composant l'organisation ou participant à son activité afin de contribuer à la réalisation de ses objectifs. Peuple congolais, campagne ya Failu, banani ba finansa ki yango. Ça fait partie à ressources. A tout oyo ba finansa ki yango. Bangonde oyo na moi yalelo ba monike Failu. Akei loin. Il est temps maintenant ba stoppeye ba zong sa ye na ran. Est-ce que Failu a kozong na ran? Est-ce que peuple oyo ba landa ki Failu? Peuple oyo ba binisi Failu. Ba ko accepte yango. Tozoko kene na kupanzana ya lamukate. Fonctionnement. Pour ba lobi yango bien modalité d'organisation et modalité de fonctionnement. Peuple congolais, modalité c'est une forme particulière. Voilà. Et si ka kusangana oyo basangana ki na Belgique, problème nango ezoko s'opposer na la personne de Failu. Qui sera le chef ya plateforme? Qui sera le leadership ya plateforme Lamuka? Ce sera toujours Failu ou Mbemba. Parce que Tangouba, Tangaki, compte rendu, rapport, il y a réunion na Bango, Tangouba énuméra qui ba leadership, énumération à leadership et Bandaki na Mbemba. 1. Mbemba. 2. Failu. 3. Katumbi. 4. Muzitu. 5. Matungulu. 6. Busa Nyamwisi. Ce qui t'osu les 3 premiers, est-ce que Katumbi akolingaza la 3e Simaya Failu? Est-ce que Failu akolingaza la 2e sima ya Mbemba ye mutu asa a komi vedette? Et voilà, peuple congolais, point, un grand point d'interrogation ezali la moi ya lelo yo pona la muka. Et na kati mou ba silisi ko sala ba compte rendu na bango ko présenté ba makamu na bango nyo sotou ndenge ba sala ki na réunion na bango. Et komona na kati wana, le point moko ezali très important. Failu azali ko défendre la vérité des urnes. Mais tangu ba tangi sikoyo ba objectif na bango oyo balingi balanda, ce n'est plus défendre l'intérêt des urnes oyo ba reprendre ango, mais vérité des urnes ba rejeter ango. Ezali susu na ordre du jour te. Po balobi, dit le communiqué final qui ajoute que ces leaders confirment leur détermination à poursuivre ensemble le combat pour défendre le respect des pratiques démocratiques. Pour défendre le respect des pratiques démocratiques, il faut soutenir l'état de droit. Et mutu oyo azali na lutte, na lutte naye, objectif naye, ezali ko instaurer état de droit, ezali Félix Tshisekedi Tshilombo. Bomoni yango bino moko ke rien que confirmer
leur détermination, ils ont kende pona ko soutenir Félix Omba oyazale nango ya corruption na état de droit. Ezali mabete. Donc Failu azali na ordre du jour les sous-souté. Pour Failu combat na ezali défendre la vérité des urnes. C'est fini la vérité des urnes parce que Pierre Lumbi alobaki yango que tant ya défendre vérité des urnes et si elle est qui. Voilà comment est-ce que bazako effacer doucement na gomme personnage ya Failu comme leadership. Il note que le trucage des résultats des élections ordonnées par M. Kabila aggrave la crise de légitimité des institutions ainsi que celle de leurs animateurs. Peuple congolais, omani likambo ya crise de légitimité des institutions na considéraka yango tango Kabila azalaka na pouvoir. Il note que le trucage des résultats des élections ordonnées par M. Kabila aggrave la crise de légitimité des institutions ainsi que celle de leurs animateurs. Peuple congolais, ngai personnellement, crise de légitimité des institutions, la considéraka yango tango Kabila azalaki na pouvoir. Dictature et bomi peuple congolais trop. Mais tant au Sikoyo, Kabila andimi ke élection salama na 2019, na décembre 2019, et si Kawana, ba 8 machines à voter, ba yena yango, bisonyo surtout toyebaki ke Kabila bako triche. Oyo ayebaki te ke bako triche te azate. Tant Kabila a présenté ki dauphin na ye, bisonyo surtout toyebaki ke dauphin wana mutu ako gagne. E na yango, bisonyo surtout tolobaki ke Moutounyo surtout oyo Kabila akotia na kati ya opposition ezala Félix ezala Failu toko soutenir ye sauf soki Shadary a passé la soulèvement populaire. Voilà objectif na biso ezalaki wana. Et il n'a qu'à comprendre yango te, tango Kabila sikoyo, ba koko, ba kote liye, loko la kasa mobutu alobara ke, milimu ya ba koko na biso eko landa ye, e landi Kabila, e change ye esprit. Ba triche te, tango apona ki opposant, Félix Tshisekedi bisonyo surtout et singele kito soutenir Félix Tshisekedi po mututu ayebaki yango ke élection e bako triquer yango. Félix a gagné te Failu a gagné te biso to lingai kaka pouvoir longwa na maboko ya Kabila par tous les moyens. On s'en fout ce qui est commis na maboko ya opposant. Alors, crise de légitimité des institutions, ezalaka tango nini. Il faut que tout n'a pas question en tango nini. Crise de légitimité des institutions et zalaka tangu sikoyo Failu alobi ke ye muta gagnaki azako bele la partout azako kende partout vérité des urnes et tout ça
C'est ça. Mais ceux qui faillent, à comprendre qui est en haut, ceux qui m'aiment, bah, comprennent qui est en haut, qui est bon. Voilà. Toti ka Félix, Tolandaye, pour t'organiser Sikoyo, élection en 2023, et passer penza dans Ndenge, l'élection et passaka, oyako gagné, a gagné, oyako pola, a poli, sans tricage. Crise de légitimité et kouki kozalate. Voilà, peuple congolais. Soki na discussion ya lamuka oyo ba sangana ki na Bruxelles. Soki ba lutaki, ba discutaki comment éviter la crise de légitimité entre Fayulu et Félix. Donc, tricage ou pas tricage, Moutoutou a zale conscient qui est Aïba Kiamé Boussala Mandenge Wana. Et là, comme nous sommes peuple, bazo ko bosa nango ke, bazo landa, Kabila koye ko pe sa pouvoir na Fayulu te, Fayulu asala na Kabila. Seul mutuna kati ya Congo oyo asala na Kabila te ezali Félix. Et Félix mutu azali na parti politique oyo ya masse. Kabila lelo na moya lelo yo soki a détruire UDPS terminé, Kabila a commis libre monopole na kati ya Congo. Qui sait pas que Kopona Pona ki Félix ezali piège oyo atiaki na Félix pour apanza UDPS. Et d'une part Kabila sala ki erreur akanisa ki ke Félix a ko se laisser faire. Alors Lamuka, pour réfléchir bien. Peuple congolais, tango réunion oyo et salamaki na Belgique, Katumbi azalaki absent. Batu mingi bakanisaki ke Katumbi a abandonné Lamuka. Non. Katumbi, soki otali bien na sentiment na ye, azali sous na posa ya Lamukate. Mais par la force des choses, par le respect, ya Paninga, oyo, ba soutena ki Fayulu, azali obligé ya koya kosa la semblant. Po soko tali Fayulu e Katumbi, na présentation na bango okomona ke aya na tina na ngote par rapport à liboso ndenge Katumbi ako ya ozomona ke azo ya na la pression peza ke ya mutu aza kolite mais samedi ayala ki faible. Donc Moïse Katumbi avait rejoint Boussa Nyamwisi, Martin Fayulu, Adolphe Mouzitu, Freddy Matungulu et Jean-Pierre Bemba. Depuis jeudi, ces leaders et leurs experts ont analysé le processus électoral. Le jeu et les enjeux actuels de la scène politique congolaise. Peuple congolais, Lamuka va analyser le processus électoral. Alors, ma pessimiste compte rendu à analyse nabango ya processus électoral te. Pour dès le départ, Lamuka azalaki contre machine à voter. Mais il lokoni netinda ki bango na 5 jours avant élection ba accepter machine à voter.
La mouka a eba ki ango bien que cour constitutionnelle ezali na merci à Kabila. Pourquoi ba accepta ki ba ke ne ko porter plainte na cour constitutionnelle? Alors analyse ya processus électoral na bango ilobi nini? Nazo ka moi congolais ou surtout ya diaspora baza ko beta maboko. Même dans les cambo et tangami va bête à ma beau côté. Alors, dans le tout, na beau, il va kende qui kuna le samedi. Bazo betara betara ma beau, pamba pamba. Bazo comprendre quelque chose. To bazo mon ango bien que la mouka pon angaï et comme, et y a groupe kaka moko bouye. Et vous allez en poids penzate pour. Il suffit que Katumbi a bendana, Failu a ko bendana, Mbemba a ko lingate que Failu a continué leadership. Mubulu ezali. Peuple congolais, tangu batangi compte rendu na bango esili. Et comme si vous avez une place, il y a un journaliste qui a posé une question. Pour que vous ayez une question, vous avez une question. Vous comportement une question. Vous avez une question. Vous avez une question. Vous avez une question. Ba malfani ni baza na kati toye ba grand génie ni bazo ko caché. Peuple congolais, journaliste ya RFI a posé Katumbi question pour ayeba relation ya Katumbi na Félix Tshisekedi. Poti lelo yo baza na relation et dans l'entretemps Azali na kati ya lamuka, alors journaliste alingi ayeba position ya Katumbi. Bandeko na ngai, réponse ya Katumbi ezalaki net et clair. Katumbi alobi, il faut d'abord décortiquer le mal. Pourquoi il y a eu fraude? Le mal, c'est Kabila. Alors, pourquoi il y a eu fraude? Fraude dans l'élection présidentielle, fraude dans l'élection législative. Mais, au moment que Katumbi a préservé Félix. Les leaders de la Mouka se sont exprimés ce samedi 23 mars à l'issue de leur conclave, débuté le jeudi 21 mars, répondant à une question en lien avec Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi s'est focalisé sur celui qu'il considère comme le mal. La communiqué est très clair. Félix est un frère. Je l'ai accompagné jusqu'à Genève. Et à Genève, on avait choisi Martin Failu pour être le candidat. Et nous nous sommes battus pour ça. Il faut décortiquer le mal. Le mal, c'est quoi dans notre pays? Pourquoi le pays n'avance pas? Pourquoi il y a eu fraude? Le mal, c'est Kabila, a-t-il déclaré au cours de conférences de presse organisées en marge de cette conclave. Voilà, peuple congolais. Katumbi n'était pas content. Il y a Failu. Il est contenté, il a dengue bapona ki Failu. Po a passé tant trop
ba contacté ba lobbying trop yena Félix. Yena Félix bazala ki na objectif moko. Et Katumbi soki totali yango bien après Genève azala ki déçu regret ya makasi ndenge ba monté coup ba bimisi failu et c'est pile ça qui était. Voilà, c'est-à-dire que lobby okuna Katumbi azali ko rejoindre Félix. Katumbi a ko appuyer, a ko soutenir Félix parce que makambo oyo ba lita ki lito basala ki bangona Félix lelo yo yango Félix a komi président de la République na lamuka aza komona place na ete Bemba aza ko gêner. Et comme Faye Katumbi azali pacifique, Bemba azako ya na ndenge ya ba soda ba général soki nini ekosimbate. Peuple congolais, les gens ne comprennent pas cette façon de parler de Moïse et très diplomatique. Le fait qu'il a dit Félix c'est un frère et lobby est belé. Mutuya mayele ayebela. Bref, bientôt Katumbi va le quitter car s'il se met en contradiction avec Baba Kyungu, il sera foutu au Katanga, sachant que tous les Katanga est aujourd'hui derrière Félix. Donc cette aventure de concert public de M. Failu ne l'a servi qu'à implanter son parti politique SID. Voilà. Et si ka oyo Lamuka ezali lisusu te pauvre ka Félix enani Failu ako développer sikoyo SID. Katumbi ako rejoindre Baba Kyungu. Et puis ako tia temena Baba Kyungu te. Sinon vie politique na ye ekoti mai. Voilà peuple congolais. Bon réfléchir bien, bon comprendre bien. Jusque là, bozomona ke Lamuka existence nango ezali susu lointaine te. Fin nango ezali proche. Peut-être après conclave oyo mwana na mwana tambendana. Voilà ce qui concerne Katumbi et sikoyo peuple congolais, question oyo eyeko bimiko lamwisa, question oyo et tombokisi Mbemba, question oyo et bimisi Mbemba na cage na ye Alaxi, que c'est moi leader. Chit, na Katiawa, c'est moi l'autorité morale. Ya Lamuka. Maman Moko Atuni, question Oyo. Tant siko et Lamuka ezoko ma plateforme politique. Leadership nango ekozala kaka Failu. Là, l'explication, il y a Pemba, il a accès que
Failou Azalaka porte-parole à remplir mission na été à Zongi Siko et Nara Bisomoko to Simbi Makambo Siko Tokende. Les nouvelles discussions concerneront le modalité de fonctionnement de l'AMUKA, Jean-Pierre Mbemba. Le conclave de l'AMUKA s'est clôturé ce samedi 23 mars à Bruxelles. Ses principaux leaders ont décidé de poursuivre les discussions afin de transformer l'AMUKA de la plateforme électorale en plateforme politique. Il y a une question du temps. Il y a des commissions qui vont être mises en place pour décortiquer quelques questions techniques. Nous avons beaucoup d'idées et on va revenir à vous, a répondu Jean-Pierre Mbemba lors de la conférence de presse organisée à l'issue de la réunion. Donc Mbemba a lobby que tant les alliés pour aborder ma problème nyo surtout. Donc bah yaki kaka uniquement pour nakota la ma question ya après élection dengue élection le kaki dengue nini ba polaki dengue nini kabila trikaki ba élection. Et puis, bah, parler, si go, bah, idée, à que, bon, tout le monde, si go, na plateforme électorale, tout comme ça, la mouka, na plateforme politique. Alors, na yango, bah, kopo, na commission. Bah, kopo, tia commission en place, pour na ekwindi, si go, yo. Ko préparer, bah, question technique. La question technique yango nini. Alobi yango te. Les discussions futures toucheront également l'organisation interne de l'AMUKA. Dans la restructuration, il est question d'étudier toutes l'organisation, y compris l'ensemble du fonctionnement de l'AMUKA. Un peu de patience et vous verrez les différents responsables et comment tout ceci sera articulé. Et bien sûr que Martin Failou sera dans l'AMUKA, dit le président du mouvement de la libération du Congo, MLC. Peuple congolais, question Ezalaki, est-ce que tant que comme plateforme politique, leadership et kozala failou pour peuple nyosto yebi leadership ya l'AMUKA yali failou. Question ezala ki wana. Mais Mbemba a détour a contourné question wana a répondre yango te. Pourquoi? Pourquoi Mbemba répondre question dans la restructuration, il est question d'étudier toute l'organisation, y compris l'ensemble du fonctionnement de l'AMUKA, un peu de patience et vous verrez les différents responsables. Vous verrez les différents responsables et comment tout ceci sera articulé. Les différents responsables, c'est-à-dire que autorité morale, adjoint, ce ne sera plus parler de leadership. Alors, autorité morale est kozala nani. Et je suis sûr que autorité morale est kozala yembemba. Alors, est-ce que peuple congolais a rendu mal sous l'AMUKA tant ou mbemba sur quoi azali autorité morale azako s'est trompé. La bamboka oyo neti ya ba Europe oyo bazali na ba wela ka ba intérêt personnel te
na moi ya lelo la mouka il fallait battre sa autorité morale ou leadership na failu. Bon, à part failu, c'est fini. La mouka est koufi. Il a revendiqué une place en dehors des institutions. Nous allons définir prochainement les modalités de fonctionnement et d'organisation. Nous ne sommes pas dans le pouvoir. Nous ne sommes pas dans la gestion. Donc, gestion yamboka etali bangote. Pouvoir yamboka etali bangote. Nous sommes en dehors, mais dans les jours qui viennent, vous allez avoir les détails, un descriptif de l'organisation, de la restructuration de la mouka. C'est toujours Mbemba. Failu a tiré le bataille loko mokote. Pourquoi? Alors que Failu Moutou a sali campagne, Failu Moutou toko zina, Failu Moutou a passé partout, a zo sala plein. Samedi a tiré le kolobe loko mokote. Donc c'est-à-dire que, et si ka Failu a zala kiwana, ezali, et si ka na yete, bato ya kouta kena bazali ba autorité na ye, Failu a la kisi yango, ke ba Mbemba nde ba autorité. Katumbi a répondu à la question ya Félix et le tout mutaza ko défendre ngo Mbemba et ngo laksanini répondant à une autre question sur le leadership futur de Lamouka, il a rappelé que Martin Failu avait été choisi à l'époque pour un objectif précis. Voilà. Peuple congolais, pour comprendre bien ce que l'avenir y a Failu Ezali Wapi. Mbemba a détruit Failu na réunion ba auto salao. Mbemba a aidé si Failu que Rosonga na ra ce n'est plus toi. Et peuple va diaspora, va combattre la diaspora, vous soutenez qui Failu a passé ba revue. Ba yembo yembi banzembo, République etondi, mena sikoyo. Il faut bosser la manifestation sikoyo. Il faut soutenir Martin Failu. Pour Martin Failu en danger. Comment sauver les militaires, les soldats Failu? Mbemba lobi yango bien. La question ya leadership. Est-ce que leadership est à la Failu? Non. Mbemba Failu à l'époque azala qui choisit pour un objectif précis. Martin Failu était le candidat commun pour battre le candidat Monsieur Kabila et il a battu. Il n'a pas battu Monsieur Kabila. C'est Félix Tshisekedi qui a battu M. Kabila. C'est Félix Tshisekedi Mutuali, président. Dans la Mouka, il y a plusieurs leaders qui ont participé à cette victoire, a indiqué Jean-Pierre Mbemba. Oyo elali politique. Mbemba a kanisangote 10 ans sala na prison. Na moya lelo Congolais, nyo surtout a kembi na politique. Maloba oyo ya kitoko ya sukali oyo pona oyo pesa na Failu ke a gagnaki. Non. So ki Failu a gagnaki Mbemba, on doit soutenir sikoyo ko défendre vérité des urnes. Mais maintenant c'est plus vérité des urnes que vous avez défendre, vous avez défendre sikoyo la démocratie. Donc Failu abandonné à lui-même. Et Mbemba a été soutenu sur le coup de pied derrière. Tais-toi, ferme ta gueule. Et tout le monde a fait Failu, a fermé sa gueule.
Altikali koloba eloko moko te. Il est plusieurs fois revenu sur l'unité au sein de Lamouka. Pour lui, il faut oublier ce qui s'était passé avec Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, qui avaient retiré leur signature de l'accord de Genève. Lorsque ces personnes mettent leur signature, elles ne les retirent pas. Oyo ezali question Tshangu. Télé Tshangu a posé qui? Télé Tshangu Moutalobaki qui est toujours comprendre te. Vous allez sous déterminer te. Vous avez la motivation mon côté. Pour les bossos, vous allez coliter. Pour na ko défendre. Jure. Et maintenant, si vous allez ko défendre la démocratie. Si vous allez défendre si vous la vérité des urnes, Bouti Yango Wapi. Et voilà. Question Wana. Mbemba, toujours Mbemba m'a répondre. Donc c'est que c'est Mbemba qui est responsable. Il y a Lamouka. Autorité morale, il y a Lamouka. Mais il y a aussi Mbate, il y a Batouko là-bas. Katumbi. Lorsque ces personnes mettent leur signature, alors ne sikawana Tshangu Flavien Moutalobaki ke est-ce que na kati na bino lobby sa vendredi bokota ki bobima ki soki na bobima ki rapide et lelo samedi bokoti banda tongo ti 22h. Est-ce que discussion en go ezalaki makasi boyokani ezalaki te to nini? Est-ce que na kat na bino batu ba mutoro ya ko retirer sous signature a kozala te? Flavien na ide na ye na mona ki ango bien ke a ko viser Katumbi. A viser ki Katumbi. Mais Katumbi eyebani bien ke à cause de la Lamoukate. Et surtout, grand problème est allé sur le Nini, Failou à Kotambola. Ce qui Failou à Longueka à Lamouka, c'est fini, Lamouka et Sili, Babo Sanyango. A quelque chose là, c'est Lamouka de Naye. Ou SID, mais malheur est né que Failou, tant on a l'oba qui a moqué, tant on a ça la campagne Naye, il fallait à lancer et s'idée à parler trop Lamouka et voilà ce qu'on va conséquence yangoyo comment sauver les soldats Failou yango sikoyo Mbemba siko alobini nike batu oyo ba matungulu ba muzitu ba buisa soki busa donc batu wana batikali wana bakatumbi bazali batu oyo soki basaba ti signature bakolongola signature na bango te. Ah, ce n'est pas ça. Pour leadership tangu yo Mbemba wana tangu Failou azawana tangu sikoyo nani Katumbi azawana match nani oya kozala leadership yo lobi déjà que non Failou to chakiye wana pona élection comme élection sili Failou azongi na place na ye comme mutu nyoso tout et biso to reprendre ba place na biso. Lorsque ces personnes mettent leur signature, elles ne les retirent pas. Elles prennent les engagements et vont jusqu'au bout. Tous les leaders que vous voyez ici sont des personnes qui sont sérieuses et qui savent ce qu'elles font, a souligné Mbemba. Owana, Ezali, Mbemba donc,
ma politique wana ozo na ngo wana ya politique ya kala. Toyebi yango bien que yo ozo linga yondo za la leadership yonde va présenter yo na 2023. Elle va prier yo, va soutenir yo. Tant au moni siko yo failu, au moni population o elandi failu, o ezana failu, yo kanisi ke soki yo telemi liboso wana population wana bakolanda yo lokuta. Erreur mune na ngono zo sala. Erreur mune no zo sala yango wana. Okomona ka na premier meeting na yo. Tozali batu ya kokosa te. Voilà, peuple congolais. Situation esika tozali na yango. Lamuka ezali kokende na kokufa. Soki bolandi ba analyse bien ya déclaration ya Lamuka ya samedi, botali na oyo ndenge na pesi bino, bo comparer yango bo komona penza ke Mbemba mutu azako welisa alo azo boma group ndenge asala ki na Felix yango ndenge azo sala na Failu me na Failu kaka te me azo sala mosoko na bangonyo surtout na ndenge ke yende azala autorité morale ba soutenir ye ba lancer ye. Voilà la conclusion ezali Bouy. Les trois jours inutiles qui a couché d'une souris. Le communiqué final met effectivement fin à l'aventure de Failu. Avec la chanson fétiche Vérité des urnes. C'est fini. Alors, Failu maintenant, Akolobalsou Sounini. To komisigo la démocratie. Failu akolobanini balongoli vérité des urnes et comme sikoyo na démocratie bazo défendre sikoyo la démocratie alors vérité des urnes ezali susuté tolanda ki Failu tango azolobake vérité des urnes mais natango bako utiliser on susuté peuple akolanda Failu sikoyo. Pourquoi? Je ne vois pas Jean-Pierre Mbemba accepter de voir Martin Failu leader sans assise politique devenir son leader, surtout qu'il a toujours été le seul député de son parti. Est-ce que Failu Yemoko a compris Nakayangote? Tangalobaike. Occasion oyo ikwelinga na kiko loupé yango te mais tango wana alupa ki yango tazwa ki occasion wana a éliminer muninga oyo ye bazalai ko zalane tout le temps Félix est-ce que a préparé ki moment to komi nango lelo te soka préparé ki ma préparé ngo ndenge nini peuple congolais Lamuka et Panzani pour Failu a ko se laisser pe faire te vu population oyo Yazanango déjà viba honneur oyo ayebaka ngo te soit vivre ngo je ne vois pas Moïse Katumbi fort de sa centaine de députés accepte de voir Jean-Pierre Mbemba qui n'a qu'une dizaine de députés ou qui n'a qu'une quinzaine de députés ou députés être son leader quant à Mouzitu et Matungulu, ce sont des malandangombe. C'est-à-dire leaders sans base politique. Mais qui profitent de l'aura de Mbemba et de Moïse Katumbi. Il plus des calculateurs politiques qui pensent profiter des poids politiques des autres. Bande konangai leloyo ebimina poisa ke Martin Failu azalaki na ye porte-parole
Bemba l'a remis à l'ordre. Bemba, il a même signifié en disant ton temps est terminé, tu ne parles plus. Et puis, tout le monde a bien que Failu Banda Télémaki a très bien prononcé à ta mon côté. Vraiment, c'est désolant. Peuple congolais, la moi ya lelo yo, na o regreté trop na Failu. Tangu to na sala ki ba video na koloba ke Failu. Na zako parler na Failu. Soki bo se référer na ba video na ngai, bo komona makamuni na alba ki po na Failu. Mais si kana regreté trop biso ba tutuza na kati ya Europe, ba ta diaspora. Mingi ba soutenir Failu. Ça se rendre compte que na kati ya lamuka ba batu bazali kuna na kati ba ko accepter te ke Failu aza la leadership. Peuple congolais, politique, ba politicien congolais, hypocrisie nde mutu eza ko boma bango. Po na kati ya lamuka Bemba na Katumbi, est-ce que Katumbi akolinga ke Bemba za la leadership nae? Est-ce que Bemba akolinga ke Katumbi za la leadership nae? E Failu na moya leloyo akolinga ke za la dominer, asa goûter élection présidentielle, amoni population ndenge zali na ye. Voilà. Comment sauver les soldats Failu Ingeta.